Antenne. Le virus a été totalement éradiqué, Shepard. L'assistant du docteur a traité les patients présentant des complications. S'il vous plaît. La ferme. Comment ? Pitié, aidez-moi. Personne t'a dit parler, Vermine. Vous êtes Zaïd Massani ? Ouais, c'est moi. Vous devez être le commandant Shepard. Il paraît qu'on doit sauver la galaxie. J'imagine qu'on vous a expliqué. J'ai fait mes devoirs. Cerberus m'a communiqué tout ce qui était nécessaire. Mes contacts m'ont parlé d'un homme, pas d'eux. Une racaille butarienne. Il a déconné avec quelqu'un d'assez important pour qu'on m'envoie le capturer. Et au tarif, prenez le vivant en plus. Pitié ! Je n'ai rien fait. J'ai dit la ferme. Il a essayé de me faire courir à travers les systèmes. Tu parles. Tous ces ratés finissent toujours à Omega. Quels sont vos liens avec Cerberus? C'est simple. Cerberus me paye un bon paquet pour vous aider dans votre mission. Ça ne va pas plus loin. Je connais peu de mercenaires prêts à accepter une mission suicide pour l'argent. Peu de mercenaires reçoivent des offres comme celle de Cerberus. Cette mission n'a pas l'air d'être un bon placement d'avenir. Mais notre homme trouble ne manque pas de liquidité. Allez sur le Normandie et préparez-vous. Bien, je ferai comme chez moi. J'imagine que l'homme trouble vous a parlé de notre arrangement ? Non. Il a peut-être préféré que ça ne soit pas inscrit sur le dossier. J'ai bien fait de demander. J'ai reçu une mission il y a un moment, juste avant de signer avec Cerberus. Ça pourrait vous intéresser. Le nom Vido Santiago vous dit quelque chose? C'est le leader des Soleils Bleus. C'est lui qui tire les ficelles. Il aurait capturé une raffinerie d'Altfel Ashland récemment, et utiliserait ses employés comme des esclaves. La compagnie veut régler le problème. Je vais m'assurer que ce soit fait. Bien, débarrassons-nous de ça, et on pourra se concentrer sur notre carrière de héros. Je ferais mieux de me débarrasser de ce truc avant qu'il se mette à puer. Quand vous voudrez commencer à défourailler, je serai prêt à compter les cadavres. Et à la boîte. Alors, il paraît qu'un humain s'est incrusté en pleine zone de quarantaine. Il y aurait des cadavres de Vorcha à l'appel là-bas. Drôle de coïncidence, pas vrai? Des Vorcha morts, première nouvelle. C'est ça. En tout cas, je vais pouvoir me la coller douce maintenant. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je suis censé surveiller les Vorcha, les tenir aussi loin que possible d'Aria. Ça se résume à ça. Là, je suis un poil au chômage technique. Mais à la vitesse où ils se reproduisent, j'aurai de quoi faire bien assez tôt. Ça grouille de Vorcha ici. Qu'est-ce qu'ils complotent? Des Vorcha complotés? Elle est bien bonne. C'est rien que des parasites.
S'ils se mettaient à comploter, on serait tous dans une sacrée merde. Je m'en vais. C'était du bon boulot. Allez, laissez-moi entrer. Pour se mettre les berserkers. Il suffit de le rencontrer. Certaines personnes n'aiment pas trop ces histoires. Surtout quand elles Pourquoi Arya tient à le protéger? À une époque, Patriarche était l'un de ses ennemis les plus féroces. Maintenant, elle conserve ce qui reste de lui comme un trophée. Tant qu'il est en vie, c'est un parfait exemple de ce qui arrive quand on affronte Arya. Pourquoi moi plutôt que les gros bras habituels d'Arya? Parce qu'elle en a donné l'ordre. Il vous faut une autre raison? Les gens comme Arya ne font rien sans une bonne raison. Je veux l'entendre. Très bien. Mais vous ne tenez pas ça de moi, compris? Si jamais il s'ébruite qu'Arya protège Patriarche, eh bien, ça pourrait passer pour une faiblesse. Certains risqueraient d'en profiter. Rien n'indique qu'elle vous paye. Si vous aidez Patriarche, personne ne pourra remonter jusqu'à elle. Je vais m'en occuper. Tant mieux. Patriarche est en bas, sans doute entouré de ses fans. Mettez-le à l'abri le temps que les... Revenez ici quand ce sera fait et vous aurez votre... Je reviendrai quand j'aurai terminé. Bon courage. Un des salons de l'au-delà, dit-il qu'il doit se cacher. Il est là, ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Ce datapad appartenait à l'un des mercenaires aux trousses d'Archangel. Vous étiez leur prochaine cible. Faites-moi voir. Intéressant. Quelqu'un peut-il me dire comment cette information a bien pu filtrer sur le réseau? Je m'en occupe. Merci, Shepard. Manifestement, mon organisation abrite quelques brebis galeuses. Je vais devoir y remédier. Donc, vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Tout ce qui m'est... Ne me faites pas perdre mon temps. Un scan et on... Ce dont vous avez besoin. Et je serai là, peut-être. Vous voulez parler? Allez voir Arya. Ben, okay. On va retrouver le Patriarche. Ça va me servir à rien. Pas bien. Viens moi. Dites quelque chose, commandant. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devriez vous remettre. Allez-y, Molo. Vous avez violé la première loi d'Oméga. Ne jamais rien commander aux barres de l'au-delà si vous êtes humain. Les humains ne sont pas les bienvenus. Il n'y a que ce barman butarien pour aller aussi loin. Il a une dent contre les humains. Une histoire de butarien massacré il y a une paye. Mais personne n'y trouve à redire. Les humains ne sont pas tenus en très haute estime par ici. Tenter, c'est bien le mot. Pour autant que je sache, vous êtes le premier à y survivre. Mon pote et moi, on était venus arroser l'inauguration de notre affaire. Jake a picolé comme jamais, et une heure après, il gerbait du sang. Faites attention à vous. Comment est-ce qu'on peut laisser ces gens-là pourrir sur place?
Si encore on ne les voyait pas, mais là, bien en vue dans leur propre merde. Quel endroit pourri. Chez Taos, dans la boîte. Au tech. Boîte. Qu'est-ce que vous voulez? Y'a quoi derrière cette porte? La section VIP de la boîte, pour ceux qui ont des relations. J'aimerais bien passer. Non, ça ne vous conviendrait pas. Vous trouverez toutes les boissons et la musique que vous... Qu'est-ce que vous voulez? Allez au niveau principal. On va revenir plus tard. On est en boîte. Vous revoilà. Vous avez vu un article à votre goût. Vous trouvez le patriarche et puis bartender. Alors après. Alors... Oh, le prochain verre, je vous le servirai pétassé. À votre avis, quelle va être la réaction quand on découvrira que vous empoisonnez vos clients? Qui empoisonne quoi? Ça ne te concerne pas. Ce sera le tour de qui ensuite? Des Turiens? Vous ne les aimez pas non réponds plus. Réponds à la question, Forvan. Je vois ce que vous essayez de faire. Jamais trop prudent. Cet enfoiré a eu ce qu'il méritait. J'ai une femme et un vaisseau. Entre les deux, j'ai choisi. Qui est votre patria? Oh. Cette pisse a un goût de poison, de toute façon. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Patriarche. Je ne crois pas vous connaître, humain. On m'appelle Patriarche. C'est Arya qui m'a trouvé ce nom. Que savez-vous sur Arya? Il y a quelques siècles, Omega m'appartenait. Quand Arya, je l'ai prise pour une danseuse parmi tant d'autres. C'est ici, dans ce bar, qu'elle est venue m'affronter. On a réduit l'endroit en cendres. Elle a explosé l'un de mes cœurs, brisé la moitié des os de mon corps, avant de me laisser la vie sauve. Qu'est-ce qui l'a poussé à vous épargner? Elle ne détruit pas ce qui peut lui être utile. Elle m'a dit que je pourrais conserver mon niveau de vie si je connaissais les rouages du système. Je savais qui écraser, sur qui m'appuyer. À qui sourire. Et tous ceux qui me respectaient m'ont vu battu, brisé. Ils ont compris que malgré toute ma force, elle m'a
m'avez surpassé. À ce qu'on dit, on en veut à votre peau. Vous êtes... Je suis au courant de bien des choses. D'anciens secrets, de vieilles rancœurs. On pourrait s'en prendre à moi pour tenter d'affaiblir Arya. Ce serait pour la toucher, elle, vous voyez. Pas moi, je ne suis plus assez important pour avoir des ennemis personnels. Pourquoi vous appelle-t-on Patriarche ? J'ai une sorte de préscience. Je tiendrai ça d'un genre d'aptitude biotique, à ce qu'on dit. Me foutaise, moi, je dis. Elle m'a gardé à portée de main en tant que conseiller, en tant que trophée. À votre âge, vous devez avoir des tonnes d'histoires à raconter. J'ai vaincu, j'ai vécu, j'ai fait mon temps. Tous ceux que j'ai tués, on les a oubliés depuis longtemps. Certaines personnes veulent votre peau. Oh, mais ça, hein ? Oh, cette bonne vieille Arya. Chaque fois, elle m'envoie quelqu'un d'autre. Comme si je ne savais pas que c'est elle qui me protège. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Patriarche. Écoutez, laissez-moi me charger des assassins. Quelle différence ! Dans les deux... Non, vous resterez un puissant chef de guerre avec des combattants à ses ordres. C'est mieux qu'être le trophée d'Arya. Vous pourriez être mon grand. Vous battre pour mon... Si vous faisiez ça pour moi, je vous en serais reconnaissant. Je pourrais même... Vous l'écrivez. On allait tuer les... Vous revoilà. À moins que vous ayez changé d'avis, est-ce que je dois retourner dans les jupes d'Aria ? J'ai gagné plus de... on va trouver le criminel. Avec un peu de chance. Vous venez pour Patriarche ? Pourquoi ? Si c'était le cas, vous feriez quoi ? C'est Patriarche qui nous envoie. On vous doit êtes la crante d'oracle ? Je ne savais pas que ce vieux croulant en avait un. Il aurait fallu se renseigner. Oh, il est sauvé. La station résonne des clameurs de ma victoire. Plus jamais on ne me prendra à la légère. Prenez soin de vous, Patriarche. Pour la première. À propos, prenez garde à elle. Ce que vous avez fait ne devrait pas lui déplaire, mais elle risquerait d'y voir ça. De l'au-delà, raconte. Racontez-lui ce qui est arrivé à... Et merde, mais putain, les codex, ils vont trop vite. Hop. Codex. Il y a Patriarche. Barman Galarien. Ce truc-là, c'est à peine meilleur qu'un fond de chiottes. Archangel est mort, il paraît. Bien fait pour sa gueule. Eh oui, monsieur. Tu vends, mon pote. Arya veut vous parler. Elle a appris que vous aviez affronté seuls les
le Krant de Patriarche a... Amusant. J'ignorais qu'il avait un Krant. Patriarche a plus d'influence que vous ne le pensez. Moi, mieux. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mais... Vous m'avez rendu un fier service, Shepard. Je vous transmets les coordonnées d'une planque cachée sur un monde non répertorié. Tout ce qu'elle contient est à vous. Toute aide est la Quant à ce que vous y trouverez, c'est votre affaire. Donc vous tout êtes ce qui mérite d'être dans... Ne me faites pas perdre mon temps. Vous parlez d'un temps qui remonte à plusieurs siècles, Shepard. Alors pourquoi faire des pour secrets vous, peu importe. Mais il y a bien... J'ai mené plusieurs carrières sous plusieurs noms. Formation de guerre d'élite, inclinaison mercenaire. J'ai conservé ce qui en valait la peine et abandonné le reste. J'ai peur de l'intimité. Et l'intimité. L'inimitié. Vous aviez des ressources. Vous êtes importante mais isolée. Vous n'avez pas d'autres alliés pour vous soutenir. J'ai une propension pour certaines tâches qui font la part belle aux rivalités professionnelles. Parfois, il vaut mieux disparaître plutôt que de devoir tuer quelqu'un. Je croyais que vous étiez aux manettes. Alors pourquoi... Je n'ai rien à craindre sur Oh putain. Pas pour autant que je veux diffuser mon passé dans toute la galaxie. Vous n'avez pas idée du temps qu'il faut à certaines entités pour effacer une rancune. Cette petite mythe. N'était même pas le premier Krogan que j'ai fait sortir de ses gonds. Oh putain. Vous n'avez pas pu vous lancer ici sans rien. Vous deviez être quelqu'un d'important. J'ai toujours été importante avec la formation d'autrui. J'avais de l'argent pour lancer cette opération, ainsi que des créanciers qui pensaient y avoir plus droit que moi. Il est relativement facile de survivre à un galarien. À sa comptabilité, déjà moins. Très bien, restons-en là. Vous feriez mieux la prochaine fois. Entre patriarches. Notre histoire est celle d'Oméga. Une longue histoire, sanglante à souhait, et qui a toujours tourné en ma faveur. À mon arrivée, Oméga ne vivait sous le coup d'eau. Putain. Une mine d'opportunités. Mais Patriarche était différent. C'était un ami puissant. Je suis surpris que vous ayez été autre chose qu'ennemi. Nous avons été alliés un siècle durant. Il a sans doute estimé que le temps des alliances était passé. Je m'attendais à ce qu'il trahisse. Ses hommes et lui étaient le bras armé de l'organisation. Ses effectifs étaient 10 fois supérieurs aux miens. Hélas pour lui, ses hommes s'étaient habitués à certaines... faveur dispensée par leur acolyte à Sari. Échange d'informations, assassinat. Votre naïveté est touchante. Non, je parle de faveur plus charnelle. Les hommes de Patriarche lui ont massivement tourné le dos. Au final, nous nous sommes affrontés ici même. Le combat le plus âpre de toute ma vie. Je l'ai emporté, bien sûr. Patriarche. Ce n'est pas le genre de surnom auquel... J'y trouvais un certain humour. Il avait soif de pouvoir et je faisais mine de lui en donner avec ce mot qui n'a pas... Plus tard, j'ai trouvé un certain respect pour ce titre. Et l'homme... Vous en êtes servi comme d'un trophée. C'est exact. Quand quelqu'un s'avisait de m'affronter, je leur indiquais Patriarche. La dignité est l'un des rares biens que l'on ne trouve pas sur Omega. Fascinant. Mais vous avez besoin d'autre chose. Entre temps, dégotez-vous un peu de viande fraîche, histoire de décompresser un peu. Un poil de débauche ne vous ferait pas de mal. Bravo. Allez, laissez-moi entrer. Tac.
Qu'est-ce que... on coupe ça. Son cadeau en pot. Merde, qu'elle m'a. Oui, le site du crash du nom. Ça il y a Fatar, je pense. Oh. Les cosmonésies Omega, Fatar. Fatar. Hop, hop. Réserve de carburant épuisée à 50%. J'ai un gaz. Et de rallier une à son pas. Parvint à effectuer attaque de la galaxie. Attirer l'attention des divers l'emplacement. Ok. Sonde déployée. Le platine est utile pour les projets de recherche relatifs aux fusils de précision, aux fusils à pompe et au matériel médical. Lancement d'une sonde. L'iridium est utile pour les projets de recherche relatifs aux armes lourdes, aux mitraillettes et aux fusils d'assaut. Sonde déployée. Le palladium est utile pour les projets de recherche relatifs aux pistolets lourds, au blindage et aux implants cybernétiques. Sonde déployée. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé.
Ok. Anomalie détectée. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Quel indicateur ? Réticule. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Quelque chose est apparu sur nos capteurs. Alice confirme. Yannick n'a été détecté, secteur d'atterrissage près du site. Et vos armes régulièrement. Bon emplacement.
Je viens d'en voir une. XP. Le commandant. On va leur faire con. Avec la carienne, on dirait qu'elle va faire un pèlerinage entre les gens. Manger son vaisseau. Ou autre. Un petit moment, je regarde les vieilles. Le journal. J'étais aveugle à cette époque et rejoint ce vaisseau. Volé de ses propres ailes dans la glace. Pard a ramené tous ses aliens à bord et maintenant, il est évident que nous n'aurons pas pu réussir sans. Ah non, peu importe. Ah, c'est. Élu. On se voit.
Allez, on a bientôt les 20 plaques. Et go. Ouf. Un autre. Voilà.
pose désormais le SSV dans le... Le Shepard a été retrouvé. Lancement d'une sonde. Sonde déployée. Déployé. Réserve de carburant épuisée à 50%. À défaut de solution applicable, impossible d'emprunter le relais Oméga 4. Le relais magnétique. Le détenu qui suit. Il y a le croc. Le soleil bleu défi. Le monde d'Eden luxuriant est réputé pour la végétation. De nombreux champignons ont donné lieu à des jungles spectaculaires. Ils recouvrent quasi totalité de ces. Malgré les problèmes récurrents, Doria attire les investisseurs et les entrepreneurs galaxiques car elle n'a exploité qu'une faible partie. Les soleils sont chargés de la sécurité sur la planète. L'œil bleu. Bien que ses habitants les voient plus comme un régime tourné vers la conquête, vers le monopole.
et de prendre. Terus. Et par contre. Parti. Terus. Terus. La raffinerie. Je capte les communications des soleils bleus. Des soleils. Attention aux embuscades. Tout cracher, ça. Ne restons pas ici. Un jeu bleu. Je fais ça, mais. Rentrez à la base! Intrus armé à la porte sud!
camouflage. Il y a Benzaï qui s'occupe avec toi. Donc j'ai vu que j'avais pas fini avec deux, du coup j'en ai profité parce qu'il est gratuit sur Origin. Et en fait c'est la troisième. Le troisième style que je fais sur le jeu. Pour faire le dire. Pas qu'on croit que. Allumé quoi. Ça couper le monde. À toutes les escouades, repliez-vous. On est sur la planète. Ah, j'ai oublié le nom. Non, on sort. Non, Zaid qui a pas fait. Et c'est le commandant Santiago. Le premier qui se replie, je l'abats comme un chien, c'est compris. Et maintenant, retournez au combat. Vido, quelque chose me dit qu'il n'a pas changé. Vous connaissez déjà ce Vido, je me trompe? Quand on a créé les Soleils Bleus, j'ai vite compris que Vido était un enfoiré de première. Depuis sa petite mutinerie il y a 20 ans, ça ne s'est pas arrangé. Entre lui et moi, c'est une vieille histoire. Pourquoi personne ne m'a dit que vous aviez fondé les Soleils Bleus ? Sans doute parce que personne n'est au courant. Vido m'a effacé. J'étais le meneur, lui l'administrateur. Au début, ça fonctionnait parfaitement, mais très vite, Vido a décidé d'engager des butariens. De la main-d'œuvre bon marché, qu'il disait. Des salopards de terroristes, oui. Vous avez la rancune tenace, Zaïd. La rancune ? Vido a retourné mes hommes contre moi. Il a acheté 6 d'entre eux pour m'immobiliser pendant qu'il me tirait une balle en pleine tête. Depuis 20 ans, je vois le visage de ce fils de chien dès que je ferme les yeux. Dès que je mets une cible en joue. Dès que j'entends un coup de feu. C'est pas la rancune, Shepard. Ça va bien au-delà. Il vous a tiré en pleine tête et vous avez survécu. Et votre vaisseau a été désintégré. Pourtant, vous êtes toujours là. Avec de la volonté, on peut survivre à tout. Et la rage est le meilleur des anesthésiants. On fera mieux d'y aller.
On est repérés. Montre-toi, fils de pute! Ah oui, c'est une image. Escouade Charlie et Delta, regroupez-vous sur l'entrepôt. Palladium. Zaïd Massani, te voilà en fin de compte. Vido. Ne sois pas stupide. J'ai toute une compagnie de durs à cuire avec moi, et ils n'attendent que mon ordre pour tuer ou se faire tuer. En fait, si, tente ta chance. Donne à mes hommes une bonne raison de te donner une leçon, encore une. Alors, mon vieux, t'as vu comment ça baissait ? Brûle, enfoiré de ta mère. Ah. Et puis... Tu viens de signer ton arrêt de mort, Massani. Ouais, alors vous pouvez retrouver... Une dalle qui fait Mass Effect 1. Hein. Juste parce que... Bon sang, c'est dingue ! Comme une réaction. Déjà sur le top. J'ouvre la porte. On ne laisse pas mourir des gens au nom d'une mission, Zaïd. Il y a quoi, gambader des heures dans la jungle ? En attendant... Vous voulez perdre votre temps à ça ? Allez-y, moi je vais tuer Vido. Vous mettez des vies en danger, vous compromettez la mission, tout ça pour assouvir votre soif de vengeance. Réfléchissez bien avant d'agir, Shepard. Je devrais vous défoncer, Zaïd. Mais grâce ouais, à sur sa chaîne, hein, son gardien est mort. Il feu sur les bras. Qu'il brûle tous. Ouais, bah, ça bien légal. Vido doit mourir, quel qu'en soit le prix. Il vient de retrouver. Masse percussive prête. Excellent, quoi. Prends ça. Alors, 4. Ça va se faire. Quoi là ? À l'aide ! On est coincé ! Il faut fermer les valves de gaz, sinon tout va exploser ! Nous n'avons pas le temps. Vido est en train de s'enfuir. Vous êtes prêt à laisser ces gens mourir ? Et comment ? Si on s'arrête pour aider ces gens, Vido aura le temps de s'enfuir. Et s'il se tire, ce sera de votre faute. Nous avons une mission, Zaïd. Nous allons sauver ces gens. Vous êtes têtu, Shepard. Très bien. Sauvons-les, mais ne traînons pas. C'est pas la fin de... Vous pouvez la regarder avec Benzaï.
Et la clim, on est sur son stream. Okay. Audiovisuel carburant. Vas-y, ça c'est cool. Ah ouais. Programmé en... Hop, 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 hop. Ah oui, il a chargé, oui c'est pas ce putain. Demain. Et... deux fois, hein. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. On prend un menu order. On tient ça. C'est quoi ce truc? Meurs. Attention à droite. Ok. Ah bien. Tu n'as absolument
peu propre. Putain, elle va me faire. Tiens-toi prêt, Zaïd, ça vient. Hop. Oh là là. Allez, faire au stopper. Hein. Le premier à me ramener la tête de Massani aura une surprise. Hop, sur Oh, fichier.
parler fort, hein. Allez. Tac. Ennemi à droite. Putain. Merci, merci, merci. Putain, j'ai bien lance-grenade.
rien, petit accrureur en fait. Oh merde. Vous venez de me coûter 20 années de vengeance. Espèce d'enflure. Zaïd, tout va bien? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Allez, faites-moi plutôt sortir de ce merdier. Je ne crois pas vouloir de vous... Si vous vouliez pas de moi, Cerberus n'aurait pas payé. Je ferai ce pourquoi... Alors arrêtez de déconner et allons-y. Vous placez vos objectifs personnels avant la mission. J'ai survécu jusqu'ici en ne comptant que sur moi-même. J'ai pas le temps de m'occuper des autres. Maintenant, vous faites partie d'une équipe Zaïd. On n'arrivera à rien si on travaille pas. J'en ai pas fini avec Vido. Mais je peux occulter tout ça. Un Vido nous a échappé. Vous pouvez rien en faire. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Et... Je vais reprendre tout à l'heure.